Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur CitiesXL Platinum. Oh yeah, je reprends la série, ça faisait un petit moment, pour pas dire plusieurs mois même, sauf que cette fois j'ai tout simplement changé de jeu, je l'ai upgrade, je l'ai eu pour des clopinettes hein, si je me rappelle bien, je l'ai eu pour moins de 2€. Pas tout seul, hein, je l'ai eu dans un bundle bien sûr. Je l'ai eu pour moins de 2€ ce jeu. Alors je me suis dit quand j'ai vu ça, bon allez, j'ai le CitiesXL 2012. Mais bon, pour ce prix là, en plus il y avait d'autres jeux qui m'intéressaient avec. Donc j'ai fait allez hop c'est parti, comme ça ça me permettra de l'avoir, en plus il est sur Steam. Donc c'est parfait. Par contre évidemment je suis désolé de vous l'apprendre hein, même pour ceux qui l'ont, il est toujours aussi mal optimisé quoi. Alors avec la config que j'ai, c'est limite, c'est quasiment pareil que sur mon ancien ordi quoi. Si vous voulez, il est tellement mal optimisé que ça rame à mort quoi. Même quand je filme avec action, c'est l'horreur, ça va même pas au-dessus des 30 FPS. Et dès que je zoome, c'est l'anarchie quoi. Bref, c'est c'est un peu de la merde hein, donc j'espère que vous aurez quand même une expérience potable hein, mais si vraiment vous trouvez que ça rame et que c'est horrible à regarder, dites-le moi puis je suis prêt hein, tant qu'ils auront pas je sais pas, je verrai. Ou alors je baisserai les graphismes, mais je suis pas sûr que ça change quelque chose. Il est tellement pourri ce jeu, enfin on va dire niveau optimisation, il a été fait avec les pieds. En tout cas niveau mode, j'ai réussi à les réinstaller sans trop de problèmes, à part un petit oubli de mot de passe sur le site XL Nation, mais bon j'ai pas eu trop de mal à le récupérer. C'était le coup de un email et un changement de mot de passe, enfin bref. Donc résultat, j'ai pas repris la sauvegarde de l'ancienne partie, donc ça va être l'occasion de recommencer. On a tous les modes, j'ai pas mis ça, non, on met pas mode ressources sur toute la carte parce que là je veux la jouer à la quand même à la honnête, à la réglo. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une petite map, alors peut-être difficile ou normale, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de si les maps ont évolué dans ce nouvel opus. Alors ce serait bien qu'on fasse le lac majeur et au large B. Ce serait sympa ouais d'avoir un fleuve au milieu pour les échanges maritimes. En plus la terre fertile, on n'a pas de pétrole, ça va être un peu casse-couille. Parce qu'on va devoir emprunter à des prix absolument monstrueux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que directement on se fait une ville pétrolière. Voilà. Ça on peut le faire. Ouais. Je pense qu'on va faire ça, ça va être. On va commencer une ville. Et puis comme ça tout seul, j'en ferai une à côté qui fera que du pétrole. Mais vraiment que du pétrole. Et on vendra ça à pas très cher contre des biens de consommation et tout le bordel quoi. Enfin, histoire qu'ils survivent. Mais voilà. Bon, au moins on a de l'eau. On a de l'eau. Ah, c'est déjà ça. On risque pas de crever de soif. Hein. Bon, 100% libre, on peut faire 50% de transport, on a 75% de surface et puis on a 40% de difficulté. Ok, c'est parti. On va la réappeler Learn to. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils acceptaient pas les chiffres. Learn to play. Je vais pas faire la même connerie que la dernière fois où j'avais écrit Learn to play. Donc Learn to play CD. Voilà, pas route américaine, non. Nous, ce qu'on veut, c'est des routes françaises. Hein. Ah, merde, je me rends compte d'un truc. Il y a un mode que j'ai oublié de rajouter, le mode des autoroutes. C'est pas grave, je m'en occuperai tout à l'heure. De toute façon, on va pas s'en servir pour l'instant, route française, c'est parti, on crée ça et on commence direct. Si je me souviens bien aussi, j'avais commencé un cercle, je vous avais montré comment faire un cercle sur ce jeu. Je sais pas si on va le refaire dans cette ville. Alors déjà on va faire une petite inspection de la map. On a une espèce de mer géante. On va pouvoir développer le transport maritime. Ici on a une bande de terre assez vaste qu'on va pouvoir exploiter. Pareil ici. Et sur le côté je pense que là on va pouvoir faire on va pouvoir faire pas mal de choses. Ici je vois bien le pôle central, le pôle d'affaires avec toutes les multinationales, les banques, les grandes entreprises. Ici un terrain plus résidentiel, peut-être avec de l'agriculture notamment. Ouais, on peut faire ça. Ici, ce sera full industrie. Pareil, ici full industrie. Ici, résidentiel, agriculture. Et là, on pourra faire industrie high-tech et agriculture aussi.
tout en exploitant cette espèce de, ouais, de grand fleuve un peu énorme. Bah alors, on va commencer par construire une route. Donc j'avais dit que ouais, je referai pas de cercle ici, je pense. Ou alors peut-être au milieu là. Ouais, faudra voir. Peut-être au milieu. Ouais, ici je ferai un cercle. Le seul truc, c'est que je vais pas commencer par là-bas. Je vais commencer par ici. Et ici, je ne ferai pas de cercle. À moins que vous le vouliez absolument. Mais ouais, parce qu'il faut que je. Va falloir déjà que je délimite l'emplacement des futures autoroutes. Parce que là, on va essayer de développer un gros réseau routier. Avec des ponts, alors je crois que c'est la merde par contre avec les ponts. Ah, je vais me renseigner, mais bon. Ou au pire, je mettrai pas des autoroutes, mais des très grosses routes. Quand on les aura débloquées. Voilà. Ah merde, par contre. J'avais oublié, bah oui, forcément. Le menu, option. J'ai pas mis le mode expert. Alors, putain, je sais même plus où c'est divers. Mode expert. Continuer. Voilà, le mode expert, comme ça, on peut construire tout ce qu'on veut dès le début. Ok. Alors, vous voyez, on construira ces grosses routes en... Ouais. En autoroute, en pseudo-autoroute. Bon, bref, je verrai. Pour l'instant, millier avenue. Parce qu'on roule pas sur l'or. On démarre à 400 000. On a encore moins qu'avant. On a 100 000 en moins. Ce qui est un petit peu abusé, pour le coup. Ouais, bah, écoutez, attendez. Je pense que ça, on va se... Il n'y a rien qui... Voilà, hein, qui nous l'interdit. On va se rajouter 500 000. Ah merde. Mettre le budget à 500 000. Ah oui, non, d'accord, ça rajoute pas. Ah ok, bon, en fait, c'est un espèce de mode triche un peu bizarre. Bref, je vais construire une route. Cessons de tergiverser. Courbe, bien sûr. Alors, on va faire ça comment ? Déjà qui part peut-être. Ouais, je pense que déjà on va la faire longer toute cette espèce de petite bande de... avec des collines très très escarpées, hein, c'est l'Himalaya. Alors on va la faire partir de là. Par contre, ça va être chaud le terrain. Ouais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Wow. Ah oui, par contre j'avais oublié ça. Ça va être ça va être un souci. Ouais, parce qu'il... Bon, on va le faire. Voilà, on va faire ça tout en douceur, en finesse. De la finesse, s'il vous plaît. Ouais, parce que sinon, il va péter un câble. Regardez-moi ça, ça rame déjà. Quand on pose des routes. Et pourtant, je vous ai parlé de ma config, hein. Voilà. Normalement, ça pourrait largement le faire tourner. Mais là, c'est plus une question de processeur que de carte graphique. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Ça m'a coûté un bras. Et pas qu'un petit d'ailleurs. Voilà, on peut faire la même chose. Non, je pense que ça suffit. Ouais, parce que comme ça, on pourra peut-être foutre l'autoroute. Ah oui, mais j'aurais pu la mettre ici autour l'autoroute. C'est peut-être... Non, l'autoroute, je la ferai passer au milieu. Je vais essayer de la faire passer au milieu. On va faire ça. Bon, ça suffit déjà. Je parle trop. C'est infernal. La mairie. Bon, la mairie, écoutez. Alors, la mairie de Lentouplay City. Bon, on va la faire pas trop loin de l'entrée. Là, voilà, dans ce petit coin. Ça m'a l'air parfait ici. Voilà, c'est nickel. Avec, bien évidemment, le petit service technique du début. Qu'on va foutre un endroit complètement. Alors, j'avais dit que je ferais l'industrie. Ouais, ici, je vais faire un peu de. Là, on va avoir un. Ouais, on va le faire ici, le côté. Le côté agriculture, et plus ici le côté ville. L'autoroute passera au milieu et voilà. Ira se jeter dans le vide bleu, dans les abysses. Par contre, niveau industrie, je pense que ce sera plutôt dans ce coin-là. Ouais, ici, on va vraiment développer l'industrie. Alors, ce qu'il faut, par contre... Bon, ça, au pire, on s'en fout. Ça, on le fout à l'entrée. C'est pas un problème. Je vais voir si je peux construire une route, ce serait sympa là. Pour installer l'industrie dans un coin un petit peu plus éloigné de la ville, parce que j'ai pas envie que nos pauvres petits habitants soient intoxiqués. Par contre, ici, ce serait intéressant aussi d'avoir une autoroute qui passe. Bon, on va. Voilà. Faire ça comme ça. Merde. Ah fuck, j'ai fait une connerie là. Et ça va me faire chier.
Bon, écoutez, dans ce genre de situation, c'est pas compliqué, vous faites ça. Vous faites ça. Vous reprenez le tronçon de route. Merde, le bon tronçon de route, bien sûr. Avec les routes courbes, s'il vous plaît. Et vous reliez. Voilà, c'est parfait. Nickel. Et ici, on va pouvoir installer bah, l'industrie. Bah, c'est parti. En avant pour du zoning. Alors, ça faisait longtemps que vous en aviez pas, bah, pas eu du zoning. Hein. Ben, ça va vous faire du bien de reprendre un petit peu le zoning. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, alors d'abord, on va peut-être se concentrer sur les... Avant d'amener des habitants... Putain, on perd du fric, c'est abusé. D'abord, tac, on va mettre en pause. En pause, j'ai dit. Pause. On va mettre de l'agroalimentaire. On va d'abord développer ça. Et ensuite, on verra après pour le reste. Donc déjà, on va mettre une petite route. Petite route qui... La petite route. Petite route comme ça qui part sur le côté. Genre, ouais, pas ça, ça va me faire chier. Ah, c'est chiant. Écoute, on va la faire partir de là. Ah, putain. Ah, bah j'ai une idée. Sauf que là, tu me casses ça. Voilà. Ok, et tu me pètes ça aussi. Sauf que évidemment c'est la pause, donc il me le casse pas. Donc la petite route qui se barre sur le côté comme ceci. D'ailleurs on va la continuer parce qu'à cause de ce putain de zoning de merde, j'ai pas pu. Bon voilà, on va faire le tour, hein, c'est pas compliqué. Ouais, voilà. Ouais, tu tapes un délire, ouais, génial. Voilà, comme ça, on laisse de l'espace pour les exploitations. Quoi, comment ça tu. Quoi? C'est quoi le bordel encore? Hein? C'est quoi ce bordel? Ok, le jeu a décidé de péter un câble. C'est pas grave. Bon, bah voilà, on fait à la manuelle. Donc c'est parti. Putain, faut qu'on avance parce que là, je fous rien là. Attendez, je trouve plus l'agroalimentaire. Donc ok, c'est parti. On va partir de la gauche pour revenir vers la droite. Ah, mais je suis con. J'avais oublié ça. Évidemment, les seules zones fertiles. Ben, c'est là où je veux pas. Bon, ben, au final, je suis couillé parce que. Ouais. Les zones fertiles sont ici. Ouais. Ça m'emmerde un peu, ça. Donc, ce que je viens de faire, c'est complètement useless. Eh ben, c'est pas grave. On enlève et puis ici on mettra des habitations. Ok, bon on doit se faire au terrain, hein, on est obligé. On est obligé, c'est comme ça. On est réglo. Donc ce qu'on va faire, bah écoutez, industrie, bah on va d'abord les placer au final. Hein. Je construis. Ouais, oh, elle fait chier, ça va faire une espèce de vieille bande comme ça, mais c'est pas grave. Putain, pile là où j'ai mis la mairie, les gars, quoi. Vous abusez, sans deck. Bon, ouais, hein. C'est son. Faut arrêter de se plaindre un peu. Qu'est-ce qui. Putain, il me saoule là. Bon, alors, on va commencer par des trucs. Voilà, normes. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Ok. L'exploitation de je sais pas quoi, mais à mon avis, ça va pousser. Hein, durant cet été là, la récolte, ça va le faire. Hein. Je pense qu'on aura des bonnes. Qu'est-ce que tu me dis, chante trop petit. Hein. Voilà, on va faire des formes un petit peu farfelues. Ok, on a fait les trois champs. On va respecter à peu près les formes. Hein. Voilà, le dernier. Et puis après, rebelote. Voilà, c'est... Bon, agriculture, c'est pas le plus intéressant zoning qui existe. Voilà, et on reprend du début. On reprend du début. Et rebelote. Alors, qu'est-ce que tu me dis, le champ trop petit? Voilà, on peut faire des formes assez fun hein, quand même. Hein. Non, il n'y a pas de courbe pour le coup. C'est vrai qu'il n'y a pas de courbe. Bon, champ. Peut-être un truc comme ça, vous voyez. Ouais, on peut arriver à faire des trucs sympas là. Je suis sûr là. Alors, attendez. Maintenant, je sais plus où on va faire le troisième. Là, regardez ça. Là, on peut finir comme ceci. Wouh, c'est super intéressant. Bon, faut que j'arrête d'en faire parce que sinon, il y en aura trop. Bon, ça fait un peu stupide quand même. Relier directement à la grande avenue comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Merde. Comment je fais?
Voilà, bon, ça fait des champs ici, c'est pas grave. Donc là, ben, on va mettre du travailleur peu qualifié, écoutez, hein. Ouais, les zones pas très 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 riches, on va foutre, voilà, les habitants. Voilà, hein, les habitants là, voilà, collés aux fermes, hein, voilà quoi. Hein. Bon, par contre, on va prendre le zoning libre. Merde. Alors là, oh putain, il va me scier les burnes à cause d'une route de merde. De deux routes de merde. Bon, ça lui arrive de... Hein? Voilà. Ok, bon. Là, il va me scier les couilles, je suis sûr. Voilà, c'est bon. Ok, on va commencer à zoner un petit peu. Voilà, c'est parfait. Bon, on met du travailleur peu qualifié. J'avais pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. Ici, ils utiliseront principalement le vélo. Les transports en commun, je sais pas si on va les développer vachement dans cette partie de la ville. Puisque voilà quoi, la répartition du budget de la ville, voilà quoi, hein, les zones pauvres, je suis désolé, mais on les délaisse, y a pas d'autre moyen. Non, je déconne. Non, non, je déconne, vous inquiétez pas, c'était complètement ironique. Hein. Par contre, faut que je fasse gaffe. Ça va suivre. Ok, on va tout de suite lancer pour essayer de gagner un peu d'argent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait de la route ici, donc on va mettre de l'industrie quand même. Hein. On va pas se défiler. Ok, j'ai un habitant. 5 habitants, magnifique. 5 clampins qui se sont ramenés. Et par contre, je suis en déficit plutôt majeur. Petite zone commerciale qui fera pas de mal. Commerce de proximité, voyez. Hein, il faut toujours ça. Voilà. 2-3 commerces, ça fait pas de mal. Hein. Il faut ça pour faire vivre l'économie locale. Hein. On fait du made in Lord Duplicity ici. Hein. Tout vient de chez nous. Tout est produit maison. Et c'est parfait. D'ailleurs. Mettons l'industrie en route pour faire du made in here tout simplement quoi. Alors là par contre ça va être la zone genre polluée à souhait. Petite route. Et d'ailleurs je suis un petit peu con. Parce que voilà. Non, je vais pas mettre petite route. Parce qu'ici ils viendront pas en vélo, non, je suis désolé. Tu mets route. Mets route normale, hein, voilà quoi. Hein. Par contre, j'ai oublié de le faire pour les zones. C'est des routes, ça? Ah, mais non, c'est pas des routes, ça. C'est pas des routes. Voilà. Comme ceci. Ouais, je vais plutôt privilégier les grosses routes pour l'industrie, parce que sinon, ça va me casser les bonbons. Niveau circulation, voilà. Bon, ça devrait suffire déjà. Ça va résorber un peu le déficit budgétaire. Alors, ici, donc voilà, j'ai fait. Ça a mis des. Enfin, c'est des petites routes, ça. Mais écoutez, on va les améliorer. On va toutes les améliorer en small road. Non, pas en small road. Ah, si, merde, ça met que de petites routes de voie. Non, ça met que des petites routes de voie. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, on va laisser les petites routes ici. C'est des petites routes de campagne. Par contre, on va les mettre Bicycle path. Small road. Alors je sais pas si normalement là il y a du vélo, on peut circuler en vélo. Je vais essayer de faire toutes les routes. Bon, ça va être chiant, hein. Je m'excuse. Il faut pas que j'oublie d'installer le mode autoroute, hein, sinon ça va être là. Voilà, c'est parfait. J'espère qu'ils vont bien utiliser le vélo parce que mine de rien, le vélo, hein, c'est la santé. Les musiques n'ont pas changé, comme vous pouvez le constater. Musique d'ascenseur, toujours bon, voilà, que ça détend. C'est pas. Voilà, c'est pas du Vivaldi, mais bon. Hein. Hein. Ils ont pas non plus le budget, je pense. Ok, bon, c'est parfait. Ici, non. Nickel. J'ai fait toutes les routes, toutes les routes, c'est parfait. Ok, bon, ils ont l'air satisfaits. Est-ce que... Ouais, bon, je gagne un peu plus. On va zoner un peu là, parce que de toute façon, c'est... Voilà, y a pas de miracle. Par contre, je vais juste voir la zone de fertilité. Ok, bon, de toute façon, c'est tout droit comme ça. Ok. Ok, j'ai compris. Bah, d'ailleurs, ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent... ils ont l'emploi. Alors, est-ce que là-bas, ça se construit, par contre? Passer des industries. Mais tu te fous de moi ou quoi là? Ah merde.
Ah oui, non, c'est parolier. Eh, je suis un petit peu con, moi. Ah bah voilà, va falloir déjà faire un pont. Bah écoutez, un financement d'un pont, les mecs. Dès le début. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un truc assez gros, quoi. Alors. Comment on fait, par contre? Non, c'est pas ça. Non, mais attendez. Je vais faire un... Je vais mettre une... Merde, quoi. Voilà, je vais mettre ça, une avenue. On va la faire aller... non. Une avenue courbe, j'ai dit. Voilà, on va la faire aller là. Alors, on va faire un beau pont ici. Voilà, parfait. C'est nickel. Le pont maintenant. Alors, le petit pont. Qu'est-ce qui lui va pas encore à ce connard? Oui, pardon, je m'excuse. Qu'est-ce qui lui va pas? Croisement, non. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Croisement. Ah, c'est peut-être parce que c'est un petit peu trop grand. Ça, si je prends ça. Ah, c'est trop petit, ça. Ouais, c'est bien, ça, non? C'est pas ça qu'il faut. C'est trop grand. Non, ça, c'est des routes à quatre voies. Alors, ça, c'est quoi? Non, ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est quoi? Ah, ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est. C'est tous pareil, de toute façon. Qu'est-ce que. Oh, il va pas commencer à me. Hein? Évidemment, il n'y a aucun pont. Ah, bah si. Et ben voilà. Et ben quoi? Croisement non. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi croisement non? Ah, d'accord, ok. Ok, alors là, par contre. Alors. Mage. Non, shift. Voilà. Et là, on le fait. Non. Voilà, parfait. Oh, j'ai réussi à poser un pont du premier coup. Vous pouvez m'appeler Dieu, les amis. Ok, c'est parfait. On a un pont qui va vers la zone industrielle. Bon, ils vont mettre juste 5... merde. Ah non, non, c'est pas de pont. Je veux pas de pont. Je veux pas de pont. Enlève-moi ces ponts. Non, pas de pont. Redonne-moi des... Ben des... merde, comment ça s'appelle? À chaque fois, genre, oh, mais je suis partout, mes mots. Voilà, des ça là, des avenues. Alors là, si mes calculs très précis sont bons, par contre, ça m'a coûté la peau du sboob. Ok, l'industrie se développe. Il suffisait juste de relier, bah c'est parfait. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont? La satisfaction est de 100%. Ouais, faut que je zone là, parce que, ouais, y a pas grand-chose, hein, à part 470 clampines qui sont venus, hein. Non, par contre, c'est pas ça que je veux. Small road bike, voilà, on va faire ça. Alors, par contre, là, alors qu'est-ce qu'il va me dire encore? C'est bon. Je ramène de la pop active. Ça, c'est le secret, hein. Pop active, hein, pour une croissance économique, hein, qui ne fléchit pas avec un rythme plutôt soutenu. Il faut ramener du travailleur peu qualifié. Et puis rajouter un petit peu d'industrie d'agroalimentaire, parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on va se démarquer plutôt niveau échange. Ça va être une des villes qui fournira de la bouffe, je pense. En grande quantité. Enfin, ouais, parce que ce croissant fertile là, ça me rappelle l'histoire. Ce croissant fertile d'Égypte. Voilà, on reprend. On refait des champs. Ah, attendez! Pas que j'oublie de mettre ça, moi. Voilà. Ah merde, c'est un champ. Ici. Voilà, déjà, ça va augmenter la production à donf, là. Plus il y aura de champs, plus il y aura de champs dans le silo, je vous le rappelle, hein, plus ça va multiplier les. Par contre, qu'est-ce qu'il veut? Ah, d'accord, travailleurs qualifiés. Alors, on va avoir besoin de travailleurs qualifiés. Pour gérer un silo quand même, ça me paraît un peu. Bon bah alors eux les maisons. Bon on va les faire là, tu vois. Sur le bord là, comme ça. Par contre. Toujours les petites routes. Hein. Je sens que le transport ça va être un enfer dans peu de temps.
Voilà, un petit quartier. Petit quartier de travailleurs qualifiés. Voilà, ça, ça va permettre d'amener un petit peu de boulot. Le problème, c'est qu'ils vont vouloir des bureaux. C'est un enchaînement, c'est un cercle vertueux. On va faire quelques bureaux, mais bon, voilà, c'est juste histoire de mettre des bureaux, quoi. C'est 3 bureaux parce qu'ils veulent 3 bureaux, quoi. Hein. Voilà, on va les faire là. Ça s'arrête là, quoi. Hein. 3. Là, c'est la place publique de la ville. Puis au centre, on aura le. Là, ça va être la périphérie, plutôt. Ouais, la parcelle de terre périphérique. Avec une zone industrielle et là le putain de gros pôle économique. Hein. Et puis bien sûr ici ça va être un autre pôle économique mais industrie high tech. Puisque on va se commercialiser. Ouais ça, je pense que ça va être... Ouais c'est une ville assez mixte. Du style commercial, un peu genre agriculture... What the fuck is that? C'est juste immonde. Mon dieu. Oh les shit, ils ont dû rajouter des bâtiments d'ailleurs, c'est pour ça que, bah ouais, en fait, c'est juste ça. Hein. Ouh, j'avais pas parlé des ajouts, mais en fait, comment dire, c'est ça les ajouts. Voilà. Voilà, vous avez les ajouts de ce jeu. Je sais, c'est pas très conséquent, mais faudra s'y tenir. Ok, c'est bon. Ils peuvent circuler en vélo. Alors, peut-être qu'on aura la chance. De croiser un clampin à vélo. Parce que normalement ils sont assez nombreux à... Elle est sympa cette petite ville pour l'instant. Je trouve que ça fait très campagnard. Très ouais. Très nature. Et d'ailleurs on est plus en déficit. On gagne 2000, ça c'est sympa à savoir. Et ça c'est toujours pas parti. Tu voudrais pas te barrer s'il te plaît? Ah merci. J'ai cru que ça avait bugué. Ici le fréquentation du pont déjà hein. Ah putain j'arrive. J'arrive pas à me placer correctement. Bon bah voilà, il circule bien. Là on arrive dans la zone industrielle où il y a déjà du chômage, enfin de la faillite. Qu'est-ce qui se passe? Aucun salarié, bah il veut du nombre de travailleurs. Il veut du travailleur, bah forcément il veut du travailleur. T'inquiète pas, je t'en amène Robert 2 secondes. Ouais, bon là va falloir va falloir faire le job là, hein. On va passer à niveau supérieur là, sinon on va être largué. Hein. Niveau demande globale là. Bah. C'est parfait. Vous voulez de l'emploi? Ben je vous en donne. Enfin des salariés plutôt, parce que c'est plus juste. De nouveaux bâtiments sont disponibles. Voyons voir les ressources. Industrie lourde, bon, on va d'abord commencer par vendre histoire de se faire un petit pécule. Auprès de Omnicorp d'ailleurs voilà. Industrie lourde, je ne sais pas si vous vous rappelez du système de token pour ceux qui ne jouent pas. C'est le menu des échanges. Les ressources sont représentées sous forme de token, c'est-à-dire un jeton qui est égal à un certain nombre d'unités de ressources en fait. Par exemple, vous voyez là, on voit que je suis en déficit de bureau, qu'il va falloir que j'en rajoute un peu ou alors que j'en importe. Mais par contre, je suis excédentaire en industrie lourde, en token d'industrie lourde, c'est-à-dire que j'ai une surproduction en matière d'industrie lourde que je peux revendre soit à mes propres villes, soit à la ville ordinateur qui possède tout fois je sais pas combien et voilà. Bon, c'est pas très intéressant, le but c'est de faire le plus de villes pour vous les échanger à des prix intéressants, bien sûr. C'est tout là que réside le principe de ce jeu. Hein. Et j'arrête pas de gagner des trophées, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, déjà on n'a pas trop niqué le budget. Pour l'instant, ça bug pas trop. On va juste rajouter. Bon, par contre, celle-là, je pense que ça va faire. Je vais peut-être augmenter un peu trop vite. Non, c'est pas ça que je voulais. Pour poser les champs, il casse les bonbons. Chant trop petit, mais qu'est-ce que tu me dis, chant trop petit, voilà. T'es content maintenant? Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà, c'est nickel. Ok, ça fera un peu de boulot, et puis ça m'aidera aussi pour Ah oui, les services publics, ça commence déjà. On va se quitter là-dessus, on va mettre un petit centre médical. Voilà, juste là. Comme ça, ils seront satisfaits. Ok, bon. J'espère que cette reprise
sur CitiesXL vous plaît, hein, dites-le moi dans les commentaires, laissez des petits j'aime, enfin, faites-moi signe. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de reprendre. Là, j'ai bien envie d'avancer, vu que je sais que, bon, ce qui me fait un peu chier, c'est vraiment ce manque d'optimisation cruel. Mais voilà, on va essayer quand même de faire quelque chose sur ce jeu, il y a moyen. Voilà, donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.